Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. On est une fois de plus aujourd'hui dans ma cuisine où je vais vous présenter une autre recette qui est le riz. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont partagé et qui ont aimé ma vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nouvelles publications faites sur cette chaîne. Et bien sûr, suivez-moi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je débute. Je vais essayer d'y partager le maximum d'informations que possible sur Instagram. Donc voilà, là je vais vous présenter les ingrédients sans plus tarder, c'est parti. Alors pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin de riz, on aura besoin de gambas, mais vous pouvez prendre des crevettes si vous le voulez. On aura besoin de petits pois. C'est encore mieux quand c'est frais, mais bon, moi, je vais utiliser du surgelé. On aura besoin de végéta, comme ça, ou du sel, ou du cube, hein. Du cube, c'est comme vous voulez. Là, dans cette assiette, c'est un mélange d'épices. Alors, j'ai du curcuma, du thym, de la coriandre, du bouillon de poulet, de la muscade et deux feuilles de laurier. Et là, on aura besoin de deux poivrons. Pourquoi j'ai pris deux? Parce qu'ils sont fins, vous voyez, c'est les longs poivrons. Mais si c'est un poivron, les autres poivrons, vous savez, l'autre forme de poivron, vous pouvez en prendre un. On aura besoin de poireaux, d'un oignon nouveau, d'une carotte fraîche ou surgelée, hein, c'est comme vous voulez, d'un oignon, d'un peu de gingembre, d'ail, 5 gousses d'ail et de céleri. Voilà. Et on aurait également besoin d'huile végétale. Alors pour notre riz aux gambas, donc je vais commencer par décortiquer mes gambas et bien les nettoyer avec du citron pour ensuite les assaisonner avec un peu de végéta, donc une cuillère à café de végéta, de l'ail et je réserve le tout sur le côté. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill, he built it to last. Et là, je vais préparer mes ingrédients pour le riz. Je vais commencer par mixer les poivrons, gingembre, poireaux et le céleri. Je réserve sur le côté. Way back from out of the dry land. My grandfather's strong hand. Et par la suite, je vais émincer mon oignon nouveau, mon oignon, ma carotte et je vais écraser mes gousses d'ail. Way back. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill, he built it to last.
Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands. Donc là, vous voyez, tous mes ingrédients sont nettoyés, découpés. Je vais mixer hors caméra, bien évidemment, ceux qui sont dans ce petit récipient-là sur le côté, donc les poivrons et le gingembre et compagnie. Et on va pouvoir commencer la recette. Donc là, je vais faire revenir mes gambas dans de l'huile chaude et je vais les laisser cuire 5 minutes en les retournant à mi-cuisson. Je vais pas trop les cuire au fait. Je veux qu'ils soient bien croustillants mais moelleux à l'intérieur. Ensuite, on les retire de la poêle et on les réserve sur le côté. Donc là, je prends une casserole, une casserole de taille moyenne, et je fais revenir dans de l'huile chaude mes oignons nouveaux, ma carotte, et je laisse cuire le tout pendant 5 minutes à feu moyen en remuant bien pour pas que ça ne crame. Et par la suite, je rajoute le riz que j'ai nettoyé. Bien évidemment, avant, je mélange bien le tout et je laisse cuire encore de manière à ce que toute l'eau du riz s'évapore. Une fois que je vois que l'eau de mon riz s'est évaporée, je rajoute mes épices et je mélange bien le tout pour par la suite rajouter le mélange d'ingrédients mixés au préalable. Et je mélange bien. Vous voyez tout de suite le poivron apporte cette couleur un peu orangée à notre riz qu'on aime bien. Et là, je laisse cuire 2 minutes encore environ. Pendant ce temps-là, je fais bouillir de l'eau sur le côté que je vais rajouter par la suite pour ne pas couper la cuisson. Out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill, and a mountain of raw skill, he built it to last. Et là, je rajoute l'eau frémissante comme ça et une cuillère à café, même pas hein, une demi-cuillère à café de végéta. Je mélange bien, je recouvre le tout et je laisse cuire à feu très doux pendant 15 minutes en surveillant de très près la cuisson.
Donc là, je vois que mon riz est presque cuit. Je rajoute mes petits pois. Je mélange bien, je recouvre le tout pour 5 minutes environ à feu doux. Pourquoi je rajoute les petits pois en fin de cuisson? C'est pour qu'ils gardent, pardon, ce petit côté un peu moelleux, mais pas trop pâteux au fait. Je sais pas si je me fais comprendre. On les veut bien cuits, croustillants et pas pâteux. Là, vous voyez, notre riz est bien cuit. À ce moment-là, je vais rajouter mes gambas. Je vais mélanger le tout. Et par la suite, je vais vous présenter ce que ça donne sur une belle assiette. Way back from out of the dry land. My grandfather's strong hands, they built this home. Donc voilà le résultat final. Moi j'ai rajouté de l'avocat. Ça se mange très bien ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'était très bon. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous si vous avez le temps ou l'envie, hein. C'est comme vous voulez. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci de l'avoir visionné. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette ou une autre vidéo, hein, je ne sais pas encore. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Bye bye.